Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour Nicolas Duvauchel. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Open à l'occasion de l'avant-première à Bordeaux, notamment à l'UGC ce soir, du nouveau long-métrage de Pascal Bonitzer, Les Envoûtés, adapté de la nouvelle fantastique d'Henry James, Les Amis des Amis. Les Envoûtés, c'est un film de fantômes. Oui, et puis une histoire d'amour aussi, je pense, même avant tout. Oui, on ne sait pas si, si Colline, qui interprète Sarah Giroudeau, sombre dans la folie ou voit vraiment ces choses. Mais oui, je pense que c'est une histoire d'amour avant tout. C'est un film qui flirte avec le film fantastique, un genre boudé en France depuis quelques années. Complètement. Pourquoi ? C'est vrai. Bonne question, quoi. Peut-être que Pascal disait tout à l'heure, peut-être qu'on est trop cartésien en France, qu'on est trop terre à terre, voilà, le pays des lumières. C'est peut-être ça, quoi. Ouais, c'est trop périlleux en France, c'est pas dans notre culture. Ouais, je pense aussi qu'il y a de ça. Ouais. Il y avait en Angleterre, ils ont ça. Aux États-Unis aussi, enfin dans tous les grands pays. Produisent pas mal de films, ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas du tout là-dedans. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Vous avez tourné, je crois, en novembre, dans les montagnes du Pays Basque. Un paysage qui a ajouté un petit peu. C'était magnifique. Ouais. J'adore ce pays, de toute façon, j'adore le Pays Basque. J'adore ce pays, pour être content que je dise ça. J'adore ce pays, et c'est vrai que voilà, y a une lumière incroyable. Puis moi, j'avais mon ancienne belle famille qui était de Souride, donc pas loin de là, on tournait de Combault-les-Bains, Espelette, donc je connais assez bien le coin, et on mange bien, c'est magnifique, et puis c'est sauvage, j'aime bien, c'est encore très sauvage, quoi. Vous avez eu la chance de tourner 25 jours avec une vraie mer de nuages, ça apporte au côté inquiétant du film, ça. Hein. Bien sûr, et puis on est dans une toute petite maison isolée, tout en haut d'une montagne, donc oui, c'est vrai que la nuit, même, quand il y avait de la brume, tout ça, c'était assez inquiétant, quoi, et c'était, on était complètement dedans, quoi, c'était super agréable, quoi. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi Pascal Bonitzer vous a choisi? Non. Alors, il vous a choisi pour votre talent, mais je le cite, pour votre côté sexy et ténébreux. Ah. On n'en sort pas, hein. Ah bah mince alors. Bon bah écoute, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa de sa part. Ah, oui, oui. Non, et puis moi, je suis très content de l'avoir. J'avais fait une pièce de théâtre avec sa fille, avec Agathe Bonitzer, que j'avais beaucoup aimé et qui on s'est très bien entendu, et j'avais rencontré à ce moment-là. Et puis, c'était des journées entières dans les arbres. Voilà, c'est ça, exactement. Hein. Exactement. Une pièce de Marguerite Duras avec une mise en scène partie avec Liffa, avec Fanny Ardant et Agathe Bonitzer. Et c'est vrai que. Et puis j'aime beaucoup. Je pourrais l'écouter parler des heures, moi, Pascal. Donc, voilà, on a un peu les deux pendants. Lui, il est très. Il intellectualise beaucoup, mais non, en fait, pas tant que ça. Mais moi, j'adore l'entendre parler de cinéma. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Pascal. Ouais. Pour revenir encore quelques instants, parce qu'on vous en parle souvent sur ce côté sexy et ténébreux, on vous a un peu trop confiné dans les rôles de voyous. Oui, c'est vrai que c'est les propositions qu'on me faisait un peu, c'était un peu systématique, quoi. Mais j'ai fait des trucs qui m'ont bien plu, Braco, des choses comme ça, qui étaient un peu, flic pourri un peu. Donc vous êtes rangé des camions maintenant. Oui, c'est marrant à faire, quoi. Franchement, des rôles de salaud, c'est toujours marrant à faire. Mais j'essaye de faire un peu de tout, quoi. Et puis après, ça dépend aussi de ce qu'on vous propose aussi, hein. Faut pas se mentir, mais j'aime bien, pouvoir faire plein de trucs différents, de metteurs en scène différents, d'univers différents, c'est ça que si pour toujours faire la même chose, ça sert à rien. Bien sûr. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce métier, quoi. C'est vrai que vous avez toujours le trac les premiers jours de tournage? Complètement. La veille des premiers jours, je dors pas. Oui, je dors pas. C'est vrai? Ah ouais, c'est rien à faire. Et c'est un bon trac qui galvanise? Oui, oui. Et puis j'aime bien un peu ce truc. Du coup, on est vachement alerte le lendemain. Enfin, moi, c'est comme ça, quand je dors pas, je suis vachement alerte. Donc on est un peu sur les nerfs et tout. Donc j'aime bien ça. Oui, c'est un peu comme une espèce de veille de rentrée scolaire, quoi. Truc d'enfant, on sait pas un peu l'inconnu. Bon. On connaît des gens, mais c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, l'équipe, est-ce que ça va bien se passer? Bon, ça se passe toujours bien au final, mais oui, il y a toujours cette appréhension qui n'est pas forcément fondée, ni qui n'est pas rationnelle, hein, mais qui est là. Vous dites que chaque film est une sorte de remise en question, un peu comme un boxeur qui remettrait son titre en jeu. Complètement. Et les sports de combat, ça vous connaît? Oui, j'aime bien, j'aime bien pour vider la tête, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. D'ailleurs, c'est dans votre club de boxe de Dominil que le réalisateur Eric Zonka vous a découvert. C'est ça. Il recherchait des figurants, dites-nous tout. Il recherchait des figurants à la base, parce qu'il avait déjà pris son premier rôle, même les rôles secondaires. Il cherchait juste des figurants pour une scène de boxe à Paris. Et c'est venu comme ça. Il m'a fait passer des essais, juste de dire mon nom au début, des choses comme ça, en me filmant. Et après, il m'a fait passer des essais, il m'a donné le premier rôle. C'est vrai qu'il a fallu qu'il insiste? Oui.
Oui, parce que je ne suis pas venu au rendez-vous après. Je disais oui, je viens. Et puis je ne suis jamais venu. Et il m'a dit, ah, c'est con, viens quand même, ça, t'as rien à perdre. Et puis ben, il n'avait pas tort, il n'avait rien à perdre. Oui, parce qu'à l'époque, vous prépariez un CAP de préparateur en pharmacie. Ouais. Ouais. Les gélules, les ampoules, ça vous manque pas trop, non ? Non, ni les gélules, non, c'est bon. Non, c'est vrai que c'était pas passionnant. Et puis bon, moi, c'était plus pour faire plaisir à ma mère que je faisais ça, parce que j'ai arrêté en première S. Ouais. À son grand désarroi, ma pauvre maman. Mais c'est vrai que, oui, après, j'ai fait ça juste pour lui faire plaisir, mais je savais que ça allait pas. J'allais pas aller très, très loin avec ça, quoi. Vous vous étiez trompé ? Complètement. Hmm. C'est peut-être d'une banalité affligeante de dire ça, mais sans le sport et sans le cinéma, est-ce que vous pensez que vous auriez pu tourner mal ? Oui, parce que... Oui, sans le sport, oui, inévitablement, oui, bien sûr. C'est toujours ça qui me permet de rebondir et de me remettre dans le droit chemin, on va dire. Mais c'est vrai que... Oui, après, on est tous... quand on est plus jeune, on est tous un peu... voilà, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Après, on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes à ce moment-là. Mais c'est vrai que... voilà, du coup, ça m'a amené vers quelque chose de plus lumineux, à dire, le cinéma. Donc voilà, de rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas eu l'opportunité de rencontrer. Bien sûr. Et ça m'a ouvert, voilà. Ça m'a ouvert l'esprit. Et ouais, ça m'a changé profondément. Donc oui. Ça m'a donné... En fait, moi, je pense que même tous les jeunes ont des arrois... qu'on voit rien foutre ou quoi, ils ont juste besoin de ça, en fait, de quelqu'un qui les porte et qui leur donne de l'intérêt, on va dire, ou qui leur donne une place dans notre société, quoi. Donc, moi, ça m'a permis ça, en fait, le cinéma, quoi. Et depuis ces premiers pas devant la caméra, est-ce que ça a été toujours facile ? Est-ce que vous avez attendu devant le téléphone ? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Oui. Non, et puis il y a toujours ce truc d'incertitude dans le cinéma, on se dit toujours, c'est peut-être le dernier. Bon, maintenant un peu moins, mais c'est vrai que oui, j'ai eu des périodes quand j'étais plus jeune où je savais pas si j'allais retourner ou je pensais que j'allais peut-être pas retourner, mais après il y a beaucoup de métiers comme ça aussi. Je pense que quand on est écrivain, le truc de la feuille blanche, voilà, c'est dans les métiers artistiques comme ça où on crée des choses, il y a toujours cette incertitude voilà, du travail, mais en même temps ça remet, cette incertitude remet en fait sur... Après, on va pas s'embourgeoiser à se dire, ah, c'est bon, j'attends. Oui, je comprends. Il y a un truc qui donne envie de surpasser, peut-être, je sais pas comment expliquer, mais un truc de... C'est pas si mal que ça, en fait, quoi. Ouais, d'être dans l'incertitude comme ça. Ouais. Entre deux tournages, vous avez enchaîné les petits boulots, notamment fait des enquêtes au péage des autoroutes. C'est vrai, putain. C'était intéressant, ça ? Ah non, pas du tout. Non, c'était complètement intéressant, mais oui. Donc c'était du 8h-20h, oui, je disais, sur les péages, et puis donc ça nous laissait, voilà, c'était du, je sais pas combien c'était de l'heure, c'était rien, mais bon, voilà, ça faisait 12 heures de travail, ouais. Je faisais ça 3 fois par semaine, et après, j'avais 4 jours libres, j'étais content, mais non, c'était pas... Retour sur vos 20 ans, vous avez dit, à part les jeunes de l'UMP de l'époque, tout le monde a envie de changer le monde à 20 ans, envie de tout casser, vous vous rappelez d'avoir dit ça ? Ouais, bah oui. Ouais, puis c'est encore d'actualité, hein, je pense. Hein, voilà. Bon, l'UMP n'est plus très là. Non. Ben bon, on peut remplacer par n'importe quoi d'autre. Hein, donc, mais moi, je pense que si on n'a jamais été révolté, on n'a jamais été vivant. En fait, il y a des gens qui sont à 18 ans, qui sont à l'UMP avec leurs écharpes. Hein, ça me fascine, quoi. Je suis fasciné. Mais après, bon, moi, je viens pas de. Après, c'est peut-être une histoire de classe sociale, de venir. Voilà, mais. Ça m'a toujours sidéré, ces gens-là, qui disent hey, « Sarkozy à 18 ans !» On a envie de changer le monde, on a envie d'un monde plus juste, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça tombe sous le sens, mais bon, oui. Nous fêtons les 1 an des Gilets jaunes. C'est vrai. Vous en pensez quoi ? Bah, que leur combat est juste. Après, il y a plein de gens qui sont ramassés par le FN, par des gens comme ça. Ouais. Ça brasse un peu des trucs un peu bizarres parfois, mais y a quand même... colère, on va dire, une colère populaire qui n'est pas écoutée et qui est quand même, je trouve ça dommage. Et c'est pas près de finir avec la destruction des services publics, que ce soit les transports, les hôpitaux, l'éducation. Là, ils ont enlevé tous les observatoires de tout. Enfin, on marche sur la tête, quoi. On va où, en fait, quoi. On gère ça comme des choses qui sont des services, comme les transports, comme la SNCF, ou la PHP, ou des choses comme ça qui sont censées... C'est pas des trucs qui doivent être rentables, c'est des trucs qui sont des services. Et on gère ça comme si c'était des entreprises qui doivent être rentables. C'est ça qui me marche sur la tête, quoi, je trouve. Donc, c'est compliqué d'avoir 20 ans, selon vous, aujourd'hui ? Ah ouais. Plus qu'à votre époque, entre guillemets ? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Complètement, parce qu'on est...
même là, le truc qu'on agite, l'espèce de polémique sur le voile, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus urgents que ça, quoi. Je veux dire, voilà, on est toujours là, et toujours un épouvantail pour cacher les vrais problèmes. Et moi, je pense que là, il n'y a plus... Nous, à l'époque, il y avait encore des vrais présidents, comme Chirac, même si, bon, là, c'est pas, c'était pas... Moi, j'étais pas pro Chirac, hein, mais Mitterrand, hein, qui était censé être de gauche, voilà, c'était pas... Mais c'était des vrais présidents encore, maintenant, on dirait des chefs d'entreprise, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, et je pense pour les jeunes, là, ils sont complètement en manque de repères, et le fossé entre les classes et entre les plus pauvres et les riches, encore tous en train de se creuser, on est en train de devenir comme les États-Unis, il n'y a plus de classe moyenne, elle va complètement disparaître, et c'est dommage, et pour les jeunes, oui, qu'est-ce qu'on leur propose, quoi. Et la musique, vous en êtes où? Cry Havoc. Ouais, bon non, moi ça j'ai arrêté, oui, fini, ça fait quelques années maintenant, mais c'est vrai que ça a été, j'ai adoré cette période, puis on faisait de la scène, on faisait des concerts, on partait... Partir faire des concerts, c'était génial, quoi. Voilà. Mais après, moi, j'avais les tournages qui auraient 2 mois. Ouais. Je partais, il n'y avait pas de répète. Donc, c'était un peu compliqué de les dire, bah, attendez-moi, je reviens dans 2 mois. Donc, c'était un peu compliqué au final, quoi. Puis aussi, il y avait du boulot aussi. C'était vraiment que de l'amusement. Voilà. Vos anciens complices, Eli, Bart, Neck et Gorka, disent que vous étiez leur baryton avec une voix à la Barry White. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Alors, vous écriviez les textes avec de l'humour à l'intérieur, il paraît. Oui. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est des textes assez engagés quand même, quoi. Voilà, c'est toujours sur les thèmes sociétales d'habitude, quoi, sur la religion, sur le voilà, sur plein de choses qui me tiennent à cœur. C'est vrai que lors d'un concert de votre groupe en Belgique, tout le monde s'est fait raccompagner à la frontière par la police. Par la police belge, ouais. Il y a eu une petite baston générale dans le concert, et puis on s'est fait gentiment raccompagner à la frontière, voilà. Bon, des choses qui arrivent. Hein. On était jeunes, on était jeunes. Voilà, tout simplement. Voilà. Retour encore avant de vous libérer sur votre carrière d'acteur. Tout le monde s'accorde à dire que vous ne faites pas votre star, que vous êtes toujours à l'heure sur les plateaux, oui. Bosser et respecter les autres. Ah, est-ce que ça finit toujours par payer finalement? Ah, je suis pas sûr, ça. Non. Non, je suis pas sûr. Il y en a plein qui disent pas bonjour et qui travaillent beaucoup aussi. Non, je suis pas sûr. Mais je suis comme ça en fait. C'est pas une pause ou un choix de dire bonjour à tout le monde ou de voilà. C'est quand je travaille avec des gens, je dis bonjour à tout le monde en fait. Et puis Pascal Cala, il peut vous le dire. Hein. Le matin, je dis bonjour à tout le monde et c'est ma façon de faire en fait parce que j'ai été éduqué comme ça, quoi. On va devoir se quitter avant toute chose, mais quand même, parce que je sais que vous êtes un grand fan de Paris. Ici, nous sommes à Bordeaux, qu'on dit que c'est devenu le 21e arrondissement de Paris. Paraît. Est-ce que vous êtes toujours autant amoureux de la capitale? Ah oui. Malgré la pollution, malgré la sécurité, malgré tout ça? L'insécurité, moi, je la ressens pas, mais... Tout le monde en parle pourtant de cette insécurité à Paris. Ah bon? Ouais. Oui, après, peut-être pour les femmes, c'est plus dur, hein, bien sûr. Hein. C'est vrai que beaucoup d'incivilité, et puis dans la rue... Moi, j'ai une sœur, donc je sais que c'est pas facile pour les femmes à Paris. C'est un peu compliqué. Moi, ça va, mais... Le bruit, peut-être, qui me gêne un peu maintenant. Hein, ouais. Alors, on commence à vieillir, hein, ça... puis un petit peu de verdure, ce serait bien pour les enfants et tout. Mais bon, moi, j'ai... La vie fait que, voilà, l'école, moi j'ai eu 3 enfants de 3 femmes différentes, donc voilà, après, au niveau logistique, je peux pas bouger trop loin non plus, je peux pas aller à Bordeaux, par exemple, c'est un peu compliqué pour l'école, mais... Mais par contre, vous êtes né dans le 15e, mais vous avez grandi dans le 11e, et vous y êtes toujours dans le 11e. Toujours. Bon, ça a bien changé depuis, hein, mais j'y suis toujours, ouais. Marchez beaucoup à Paris, pareil. Ouais, j'aime bien plus métro aussi, marcher et métro, ouais. En tout cas, bienvenue à Bordeaux. Ah bah merci. Pour cette avant-première de cet excellent long-métrage de Pascal Bonitzer, Les Envoûtés, c'est le 11 décembre. C'est ça. Dans toutes les bonnes salles avec le titi parisien, Nicolas Dufauchel, sur TV7. Merci 1000 fois. À très vite, les gars.